Salut YouTube, bienvenue sur Total Realm Remastered, bienvenue sur la campagne de Thrace en courte. On a eu un départ un peu compliqué, bon, on avait quand même réussi à prendre des villes de Byzance et de Bilazora. Puis derrière on s'est pris une déclaration de guerre gratos des Scythes, et bon la Macédoine allait nous attaquer, c'est prévisible. Donc maintenant on va essayer de tout donner, maintenant pour récupérer nos villes, repousser nos ennemis et contre-attaquer sur eux et gagner cette campagne, et ça c'est un autre problème. Donc là, ils ont full piqué, donc à mon avis, ça doit venir de Corinthe ou d'Athènes, voire les deux. Si on récupère au moins Larissa, là, déjà, ce sera une bonne chose. Parce que là, si on récupère toute cette province, déjà, donc ça nous ferait 4 villes de plus, ça ferait 4 et 3, 7, 8. Il nous faudra encore 7 villes à prendre. Peut-être qu'on s'en prendra au Grèce, ça ferait 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, il faudra encore pas mal de villes. Hein. Bon, déjà là, la priorité, c'est de dégager l'armée macédonienne qui nous rattaque à Tilis, notre capitale. Il n'y a pas de généraux, donc on va essayer de jouer. Non, 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 elle est pas simple du tout. Elle est très ardue, cette campagne. Je comprends pourquoi on dit qu'elle est très difficile. Et c'est pour ça aussi que je vais faire des temples d'Arès pour augmenter le moral de mes gars, qui va être très important. Mais là, la priorité, c'est de dégager tous mes ennemis les uns après les autres. Donc là, c'est lui, là, le général le capitaine Austérion. Ils ont un autre archer, là, je crois qu'ils en ont... Ils ont deux archers, ok. J'essaie de tomber l'archer là. Et moi avec mes généraux, je vais tenter d'abattre leur capitaine. Alors viens là toi. Je vais tenter de taper dans les piquets conscrits puisque c'est quand même des unités qui ont un petit bouclier rond. Et là on a quand même deux généraux qui ont de l'expérience, on va essayer de le tomber. Parce que si le capitaine tombe rapidement, on peut se mettre bien. Super, on l'a eu. Recule, recule. Bon, ça va, on a eu le cavalier. Ça, c'est un bon poulain. Oh, on peut peut-être tomber un archer, là. Vas-y, va le chercher, toi, petit. Allez, ce bleu 1 met 2-2. On va tenter de tomber le dernier archer pour être sûr. Et là, on aura la main mise sur le champ de bataille. Il ne restera que, entre guillemets, des piquets à tomber. Bien. On va reculer nos gars. On est allé vite chercher les tireurs. Là, ça, c'est plutôt un bon point. Alors, je sais pas où vous allez, les archers, mais... Sortez-moi de ce guépier de piqué. Là, ça m'arrangerait, merci. 31 archers à choper. C'est du free kill. Bon, on a eu... 15% de leur armée quasiment, ce qui est pas rien, mais bon. Ça fait toujours plaisir. Donc là, le but, ça va être d'essayer de focus leur piqué conscrit avec nos javelots. Hein. Moi, j'ai pas trop d'autres idées alors où je vous parle. Et les phalanges aussi. Hein. Alors, les peltastes, là, est-ce que vous pouvez me viser quoi? Ah, les, là, les fameux piquets conscrits, il y en a 119, là. C'est du free kill pour vous, les mecs, avec vos javelots, vous devriez pouvoir les dégommer.
Bon, au moins ça perturbe leur formation, regardez. Voilà, ça fait le taf là. Avec les traces, je crois qu'on peut avoir des archers, mais il me faut la ville de niveau maximal. Oh, attends, il y a un coup à faire là. Il y a peut-être une unité qui va peut-être se faire désinguer plus vite que prévu. Vite, go go go, une petite charge là, ça peut peut-être être suffisant pour les faire tomber rapidement. Bien joué la charge. Allez, on va aller chercher ces unités, on va se reculer tranquillement. Il reste encore quoi à tuer? Oh putain, ils sont encore nombreux, hein. J'essaie de les provoquer un peu avec ma cave. Alors, non, non, non. Oh, il y a une belle fin de charge, là. On peut peut-être aller les tomber. Par contre, on en parle de l'abus là. Hein. Heureusement que j'ai envie que mes miliciens. Hein. Bon, bah, régiment, on n'est pas prêt de le revoir. Vite recule. Très bonne unité en moins, ça fait plaisir. Ah, ils ont encore tout ça de piqué, ouais, piqué, milice. Les piqués conscrits, ils ont pas trop de morale, c'est ça qui est agréable, quoi. On va se mettre là, on va essayer de diviser un peu leurs forces. Waouh. Alors je sais pas pourquoi ils ont tenté ça eux, mais soit s'ils veulent mourir, bah, qu'il en soit ainsi, hein. Alors il y a quoi qui arrive derrière? Il y a du milicien, il y a du milicien encore. Cours, 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 cours. Il y a peut-être un coup à jouer si on joue bien. Il faut essayer de dégager toute leur armée, ça va être costaud quoi. Ouf. Alors il nous reste quoi? Piqué, milice, piqué. Allez, go les 36.
Allez, découpez-moi ces miliciens. Allez, go go go, là c'est free kill. On va reculer tranquillement. Je vous ai jamais dit d'aller au contact les mecs, hein. C'est vous qui étiez allé tout seul. Bah, écoute, s'ils chargent comme ça, moi ça m'arrange. Hein. Allez, let's go, encore une unité qui tombe. Bon, au moins leur armée elle est divisée, ça c'est cool. T'es sérieux, ils gagnent là alors qu'on est quand même deux fois plus nombreux qu'eux, c'est une plaisanterie le jeu là. Ah quand même, faut pas déconner. Bon là on va taper les flancs des piquets conscrits, j'espère que ça va tenir. Ouais ça a l'air de... Oh mais il faut... Bon bah écoute, hein, s'ils veulent mourir comme ça, c'est leur problème après tout. Hein. Bon, il faut essayer de dégager le gros des forces. Il reste quoi encore là? Milice, piqué, 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 encore quelques piqués, et encore des piqués, ok. Alors viens à toi. Alors ils sont où leurs piquets là? Alors attends. Présentez-moi vos flancs les gars, allez. Allez, on va charger, on va reculer. On va attendre le dernier moment. Allez, let's go. Encore un régiment qui tombe. À l'état d'usure, hein, de toute façon, contre les Macédoniens. Il reste quoi là? T'as tous les Macédoniens qu'on a massacrés, c'est beau quand même. Très bien, encore un régiment qui tombe là. Oh, il se pose des questions. On va reculer nos gars. Oh, ça commence à dégringoler le moral, ça fait plaisir. Bon, il y a eu un craquage total, on va pas se poser de questions, on embarque tout ce qu'on peut. Voilà. Encore une armée macédonienne d'abattue, c'est bien. Ça c'est vrai, c'est une bonne nouvelle ça. L'armée site là, je suis pas sûr qu'on puisse la battre. Hein. Je vais le tenter, mais j'y crois moyen. Bon, ça va, on a réussi. Ça c'est une bonne nouvelle.
Prochain tour, on va reprendre Byzance, ça nous remettra un peu de l'argent. Oh, les brutis, vous êtes des enculés, quoi. Et maintenant, c'est aussi leurs macédoniens qui reviennent. Bon, déjà, première chose, on récupère notre cité. On va juste occuper. Parfait. Et en plus, on se prend la peste. Non, ça va, les chevilles, la Macédoine tranquille. Il faut que je parte en contre-attaque là, je suis sur la city là, je veux récupérer mes terres. Comme ça, on va récupérer aussi Tanaïs derrière, on va leur apporter une petite leçon quoi. En plus, on se prend une peste en Macédoine, sinon c'est pas drôle. On va retenter une énième sortie ici. Alors. Oh, parlant de Macédoine, arrêtez salade. Alors, on a quoi dans cette armée? On a un général, on a deux cavaliers, on a un peltast, deux peltast. Ouais, c'est gérable. Ouais, je crois que j'ai loupé le retour de la campagne de l'épisode 2, on va tenter. Hop, on va continuer. Si le petit se tient bon, on est pas mal là. Alors déjà, il se replie loin ce salopard. Allez, go, on va essayer de le tomber. Bien, et de deux. Allez, go, on emballe le général. Parfait. Général ennemi est mort. Ces hommes vont connaître la peur. Ils ont pas compris, je crois, là. J'ai juste perdu 3 cavaliers, ça va. Bien joué. Bon, les tours ont fait le boulot là contre l'unité fuyarde, ça c'est cool. Il reste encore 5 unités, je rappelle. Attention général. Allez, blum. Allez, encore un qui tombe, c'est bien. Attention les javelots. L'ennemi montre son voilà.
Ce ne sont pas des soldats, mais des lapins affolés qui détalent en tous sens. Oh, l'a loupé, dommage. C'est une victoire héroïque, digne de la puissance. Voilà. Là, on va récupérer notre ville là, qu'on puisse étaler. Là, ça commence à bien faire des conneries. Oh, mais ils sont pris une rousse, c'est bien. Ça fait plaisir à voir. Ah, ils sortent encore. Oh, ils ont la peste, ça y est. Carthage n'existe plus. Oula. Ouais, on gagne de l'argent petit à petit, c'est bien. C'est pas la joie, mais ça se prend. Oh, fou de la statue, ça va être chaud à défendre là. Ah, ils sortent, ils nous attaquent, c'est bien. On va le tenter, hein. Je rappelle qu'on a des phalangistes, hein. On va pas déconner non plus. On va se replier, on va les laisser venir sur les murs de Thessalonique. J'espère qu'ils vont se fracasser. Et nous, on va attendre tranquillement au point de ralliement. Par contre, si le général y meurt, bah alors là, c'est la fête. Hein. C'est le site Carthage Hermini. Bah là, ça commence avec la Carthage. Bon. On se replie au point, on va pas se poser 36 000 questions. Allez, laissez-les venir. Et la garde civile a dû Astati à un général. C'est pas insurmontable, mais bon, c'est toujours chiant avec la résolve. Ah, le bélier brûle, ça c'est bien. L'ennemi a atteint nos murs avec ses tours de siège. Nous devons on leur a éliminé 6 hommes, c'est toujours ça de prix. L'ennemi est au pied des fortifications. Organisons notre défense sans tarder. Ouais, l'unité d'Astati qui est en train de crever tranquillement, ça fait plaisir. Sur la défense intérieure. Les murs sont aux mains de l'ennemi. Les dieux nous abandonnent. Bon, alors éliminer quand même 26 soldats, c'est toujours ça de prix. Dommage qu'on n'ait pas tombé la tour, mais bon, on a ralenti un peu l'assaut. Oh, le général adverse, l'attention. Général, là, si on peut l'abattre, ça serait cool. Cornelius Brutus. Allez, go. On va tenter de l'abattre, hein. Sinon, ils vont nous faire un pull fraud. Oh, il est là, c'est bien. Voilà, il y a une unité qui craque. Ah, bien joué. Lancez toutes vos forces dans l'assaut. Là, c'est bien, ça meurt. Quand vous voulez, les gars. Même la garde civile, elle se fait massacrer, c'est bien. Marquer mon général parce que s'il meurt ça serait dommage. On donne un coup de main par là même si je pense que ça devrait tenir.
Ah, ils tentent de forcer de l'autre côté, hein. Bon, on va continuer, hein. Allez, go, 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 on fonce vers les tours. On va récupérer notre dû. Super. Non. J'ai fait faire quitter vers le bureau. Bon. Bon, ça va, nos villes, là, on récupère, on reprend le terrain petit à petit, ça fait plaisir. Bon, derrière, il y a le Macédonien qui va nous attaquer. Ah non, même pas, je suis étonné. Full piqué, bah oui, bien sûr. Ah, ça, c'est l'armée qu'on a dégommée ou pas? Bon, attends, il y a une armée romaine. Est-ce que c'est celle qu'on a battue à quelques... bah, la dernière bataille ou pas? Oh non, c'est pas elle, mais bon. On peut tenter de s'en débarrasser si on a l'opportunité. Ici. Bon alors toi, je vais pas te faire de cadeau. Tu m'en as pas fait, alors je vois pas pourquoi je vais t'en faire. Et là on se rend vers Campus Getae tranquillement. Et je vais rajouter l'un des généraux en plus, comme ça on en aura deux. Je pense qu'avec deux généraux on peut défendre. Hein. Et là, on va tenter de dégager cette armée, enfin, si c'est possible. Bon. Ok, ils sont là-bas, les autres gus. Ça va être compliqué de les battre, hein, les Astatites avec leur chavelot à la con. Morale 2, sérieusement. En plus, ils se transforment en javelot. Ça, c'est chiant avec les Romains. Là, je vais tenter une charge dans le dos. On sait jamais. Mais avancez, je vous ai dit, les gars. Allez. C'est incroyable comment les Astatis peuvent résister. Ah, on me dit dans le que la première unité d'Astatis est brisée. On va se reculer. Allez, go. Les dieux ont empli le cœur du général ennemi d'une peur abjecte. Il s'enfuit comme un lâche. T'es sérieux là de m'entuber comme ça le jeu? Bon. L'armée ennemie est en déroute. Poursuivez-les. Chassez-les. Allez, voilà. C'est quand même compliqué. Hein. Quand t'as la milice au début. Il faut qu'on passe au piqué. Non, on n'a pas le choix. C'est le meilleur piqué qu'on puisse avoir. On peut jouer dessus. En défense, on a vu ce que ça pouvait faire. Voilà. On va récupérer de l'argent au prochain tour. Ça, c'est good. Bon, par contre, là, on a deux unités qui nous coûtent trop cher pour pas grand-chose, j'ai envie de te dire. Voilà. Oh là là, les brutis qui reviennent en masse, non mais c'est une honte quoi. Par contre, ils vont pas attaquer les Macédoniens alors que normalement pour gagner, on...
Vous avez vu ça? C'est n'importe quoi, les alliances dans le jeu, regardez. Ils sont alliés aux Macédoniens alors qu'ils doivent quand même les péter, mais bon, c'est le jeu. Hein. C'est qu'on va récupérer ma ville déjà. J'essaie de tenir à Bilazora, même si ça promet d'être compliqué, mais bon. Est-ce que quand même j'ai trop le choix? La réponse est non. Parfait, là on va refaire nos forces. Attribut 5 tours. Ah bah mon chef Bizas est mort. Ah bah Bizas, qui a quand même bien combattu. Hein. Voilà, bon c'est juste que ça me fait chier, mais j'avais pas trop de choix en même temps. Formation des troupes ici. Voilà. Alors, où mon diplomate? Pressez-vous. Notre patience a des limites. J'ai tenté un truc. Alors, 2000 pendant... Une plaisanterie. Ah non, point douté. Ah putain, il y a ça qui arrive derrière encore. J'attends vos ordres. J'achète tout le stock de la concurrence. J'ai tenté, j'ai raté. La taverne, on va la garder, elle peut servir ça, on le vire. Temple de Arès. Un autre milicien là, un autre là, il faut renforcer nos défenses ici. Je vais essayer, même ça paraît compliqué. En vrai, si j'arrive à tenir Thessalonique, bon, j'y crois moyen hein, vu la situation, je pourrais faire une petite contre-attaque derrière, quoi. Enfin, laissez-moi dire un mot. Attendez. Phalange. Unité. Unité au pas de course. Bon, on va tenter, hein. S'ils peuvent au moins abattre le bélier. Ah, ça y est, crame, ça c'est bien. L'ennemi est au pied des fortifications. Organisons notre défense sans tarder. L'ennemi a fait avancer ses terribles tours de siège. Un dur combat se prépare. Ah, ils ont deux mercenaires au Plitok qui est carrément. Repliez-vous sur la défense intérieure. Les murs sont aux mains de l'ennemi. Les dieux nous abandonnent. On leur a arraché 38 soldats seulement. Oh, des oh, la tour là nous aide bien en défense. Hein. Le général, il est où? Ah, il est là-bas, ok.
Bon, 75 soldats. Heureusement, je vous ai dit de pas bouger, les mecs. Hein. Sinon, en général, il pourrait pas mourir sur une charge brisée, curieusement, non. C'est trop demandé à quoi. Bon, oh, mais généraux, ils peuvent mourir sur des archers, mais un cavalier adverse qui meurt sur un ennemi piqué d'eau, non, c'est trop demandé, apparemment. Ouais. Aïe, aïe, on va perdre Thessalonique, ça fait chier, hein. Tu me proposes un cessez-le-feu? Bah vas-y, pour l'instant, je veux bien. Bon, on a perdu une ville, mais bon, on fera avec. Bon, pour l'instant, on est tranquille. On va essayer de s'occuper bah, du problème au nord. Hein. Alors, comment on va faire ici? On va continuer de buffer nos troupes. Hein. On va réparer. Ah oui, j'ai même pas réparé la ville. Bon, je vais faire l'hôtel d'Arès déjà. Et là, on va continuer de produire des troupes, hein, tout ce qu'on peut. Et je pense qu'on va aller chercher le Campus City si c'est possible. Et vas-y, le Romain qui enchaîne. Normal. Après, c'est intéressant ce qu'ils tentent là. Parce qu'admettons qu'on gagne contre les Romains à Bilazora. On pourrait peut-être contre-attaquer sur Thessalonique, ça peut être une possibilité. Bon, on va tenter le coup, hein. On a un peu d'argent, est-ce qu'on peut avoir des Mercos ou pas? Ouais, on va en embarquer deux de plus, ça nous en fera 13. Je vais tenter de tomber la capitale, même si ça me paraît compliqué. Alors je vais la tenter comme ça, est-ce que ça passera ou pas? Ouais, moi c'est défaite franche, hein, curieusement. Bon, on va les assiéger. Si le jeu veut être comme ça, bon, on va être comme ça. Comme ça, là, derrière, on va essayer de tenir les Romains. Mais bon, ça va être chaud, mais pourquoi pas. Ah, ça, il se pointe enfin. Bon, on a. Ah, c'est notre chef là, Gaïdres. Si on peut tomber les coups de test, ce serait top. Ils ont combien de. La statue, ils en ont 3. Ils ont juste 2 cavaleries chiantes, mais je pense qu'en jouant bien le coup, il y a moyen de faire des choses. À la place, hein. On a 2 points d'entrée.
Dépêchez-vous. Au trop. Allez, allez. Voilà. Mon général, je vais le mettre là. Si jamais il y en a qui sortent une sortie, fait une d'entrée. Trois statis dans cette armée, c'est correct. Allez, on tente de passer comme ça. Repliez-vous sur la défense intérieure. Les murs sont aux mains de l'ennemi. Les dieux nous abandonnent. Voilà. Les dieux nous jouent des tours. L'ennemi a pratiqué une brèche dans nos murs. Je vais tenter d'aller battre leur général avec mon chef. À moins que, attends, ils vont s'empaler là. Ah, regardez ce qu'il a fait. Oh l'erreur, on va en profiter hein. Vite, on va essayer de se retourner sur le général. Ouais, sérieux, hein, Vélites qui tue mon général. L'abus du jeu, non mais sans déconner. Et non, ça va, eux ils meurent pas, mais moi, j'allais me faire foutre. C'est bien le jeu, hein. Voilà. Quoi, t'es sérieux? Ah, quand même. Bon, s'il tente un passage en force, là. Non, mais c'est d'où ils craquent tous comme ça? Non, mais... Ah, quand même. Mais d'où je me suis fait défoncer la gueule? C'est la statue ou quoi? Non, ça c'est une honte. Franchement, de m'entuber comme ça, non, je suis pas d'accord. Je perds mon général contre un putain de vitesse de merde, un chef digne. Et lui, au corps à corps en plus. Et lui, bah non, il me trucide tout. Ah ouais, bien sûr, le jeu. Il y en a qui me disent que c'est normal, bah je trouve. Franchement, changer de jeu. J'ai quand même un général, hein. J'ai un garde du corps, je rappelle. Hein. Faudrait que j'arrive à récupérer et tenir la ville contre-attaque et reprendre Thessalonique, contre-attaquer sur Larissa. Ah non, on est en PC. On va essayer d'occuper un peu des sites, on va les travailler. Alors comment elle est faite la ville? Abattez-les tous comme ça là. Repliez-vous sur la défense intérieure. Les murs sont aux mains de l'ennemi. Les dieux nous abandonnent. Les dieux nous jouent des tours. L'ennemi a pratiqué une brèche dans nos murs. Courez! En marche! Oh là, les Peltas, là, va falloir un coup de main. Courez!
On va tenter, hein. Là, en vrai, si on les engouffre là-dedans, au général, il va peut-être se pointer vers moi. En vrai, là, si on tombe le jeu, si le général il tombe rapidement, on pourra peut-être bloquer la voie avec notre garde du corps. Donc, on va surveiller. Ouais, il jette sur moi, c'est bien. En plus, il se prend des javelots, ça c'est bien. Waouh, on va reculer nos... Par contre, là, c'est un peu anormal ce qui se passe. Allez, abattez le général. Là, pourquoi, curieusement, il doit survivre, curieusement. Tenter d'entrer dans le dos. Ça, ça me répugne quand même. C'est de la, c'est un hoplite. Hein. Eh, vas-y que je t'entube tout le monde. Ah, quand même. Le général ennemi d'une peur abjecte. Il s'enfuit comme un lâche. Le général ennemi est mort et ses hommes prennent peur. Lancez toutes vos forces. Allez, on va pousser. On va remettre ça dans le dos. Ah, quand même. Bon, on va pas se poser de questions, massacrer tout. Ouais, je veux aucune pitié pour eux. Tiens, ose me dire que je vais perdre contre un... Là, ça, c'est bon, hein, le jeu va qu'il arrête ses conneries à un moment. Peut-être rajouter un autre tirailleur pour la défense, ce sera utile. Là, je vais faire une autre tour. Là, je vais rajouter un autre milicien hoplite qui en a, parce qu'on en aura besoin. On continue d'assiéger, on va faire comme ça, écoutez. Voilà, notre garnison a l'air faite ici, ça c'est un bon point. Réfléchissez longuement avant tout. Ouais, vas-y, on va se prendre les DAS aussi, c'est ça le programme. On va réparer nos murs. Et après, c'est vrai qu'on n'a pas de gouverneur à Byzance. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Putain, c'est ouf tous les mercenaires qu'il y a là en cage. Un petit faucheur en prime, allez. Allez, la Gaule aussi est tombée. Bon, il va toujours pas mourir, c'est ça ? Non, on va les assiéger jusqu'au bout, comme ça ils arrêteront d'emmerder le monde.
Ok, le site qui attaque dans mon dos. Comme d'hab, toujours aussi opportuniste. Une armée de 15. Hein. À mon avis, il a dû prendre pas mal de pertes ici. Hein. Parce que pour moi, une armée de 14, déjà, c'est consistant comme ça, dans une armée de 15. Et donc, vous, ça va, les mecs, tranquille. J'ai juste envoyé mon général là pour voir. Et une armée romaine de 3. Est-ce qu'il n'y a pas un petit Mercos dans le coin? Je tentais de le buter. Et là, je tente de poser le siège pour Thessalonique et récupérer la ville. Ouh, les Grecs qui sont en train de pousser contre les Macédoniens, mais ça, vous arrangez mes affaires, les mecs. Et tu sors d'où, toi? Bah, ça va, tranquille. Il y a, elle te spawn une armée comme ça. T'es sûr de toi, mon gars? Et pour le principe, hop. Voilà. On va te calmer, ça va te calmer un peu comme ça, le site. Ah, il a tellement d'archers montés, c'est le cancer cette armée. Oui, grand stratège. Eh, c'est le chef là, attends. Attends, d'où? Ok, alors attends. On va essayer de poser le siège. J'essaie de ramener mon armée en renfort. Bien sûr, et derrière, ça en profite. Récupérer sa capitale, je peux le concevoir. J'essaie de dégager ces maudits sites là. Voilà. Donc là, il m'assiège directement. Ok. Je suis pas sûr d'y arriver, celle-là. Je vais tenter, hein, mais ça sera la dernière bataille pour clôturer la VOD. On va reculer. Allez, allez, allez! Dépêchez-vous! Allez, allez! Dépêchez-vous! Combattez! Courez! Vos renforts sont arrivés. C'est une excellente nouvelle. Unité, formation standard! Oh, attends, on est dans le dos de l'armée en fait. Allez, on y va, let's go. Oh, il a pris cher là déjà. Parfait. Ces hommes voient leur courage les abandonner. Donc là, on s'en soucie plus. On fait déjà une unité de moins. Ça, c'est le princeps qui arrive. Attention.
Ah, le prank caps qui dégage aussi. On va reculer. Il y a une de mes unités qui a craqué là. C'est bien. Maintenant on va pousser là. Oh ça tombe. Là on est en train de les détruire pour de bon là. Allez. Ça qu'on est en train de faire sur leurs armées. Allez, allez, repliez-vous sur la défense intérieure. Les murs sont aux mains de l'ennemi. Les dieux nous abandonnent. Non. Attention. Ils attendent que ça, les saloperies. Vas-y, engage ton armée, il te reste plus que ça. Et je pense que là, ça sera bon. Allez, allez. Loué soient les dieux. Le cœur des ennemis déborde de peur et ils s'enfuient. C'est une victoire héroïque. Voilà. Sur les prochains là, qui vont. Là, les Macédoniens, à mon avis, ils ont pris un coup derrière la tête, ça fait plaisir. Ah putain, ils lâchent pas les sites, hein. Ils nous envoient armée sur armée. Voilà. Hop, parfait. On va déjà faire ça et je pense qu'on va essayer de poser le siège là-bas. On va reformer nos troupes rapidement. Je vais rajouter un faucheur ou deux. Et là, je pense qu'on peut tenir le Campus City, là. Cassez-vous, barrez-vous. Alors, on va combiner ça. Est-ce qu'on peut avoir une caserne améliorée ici? Oui. On va la faire tout de suite pour les phalanges de piquet long. Ça, on va le garder le temps 2. Et derrière, on fera un camp d'arche des murs. Et si possible, après, on... Ouais, on va avoir des bonnes troupes, là, Campus City. En plus, c'est la capitale. Donc là, je suis en train d'essayer de préparer des faucheurs. On a vu que les faucheurs contre les cavaliers, ça aidait pas mal, hein. Hop, bien sûr, ça continue les assauts, les Romains qui sont increvables. Ah non, ils ont des gladiatrices vélites. Oh l'horreur. Croyez-moi que c'est une horreur ça. Ils ont coupé toutes leurs petites armées, ça fait plaisir, mais bon. Je vais déjà tenter de faire une tour là. Ah, je peux pas, oui, c'est le port, c'est vrai. Je vais tenter une tour ici. Alors, quelqu'un... Ah, c'est le pont qui a pris Chernesos, c'est ça? Ouais, le pont a récupéré le Bosphore, c'est dommage. Le Bosphore, pardon. J'ai remarqué les archers montés sites, ça peut être utile. Donc là, vous deux, hop, vous allez me refaire de l'argent. Comme ça, on pourra former nos piquets petit à petit, se refaire des troupes intéressantes.
La Macédoine, ils en sont où, eux? Parce que bon, là, on a combien de villes? 5, 6? On en a 5. Bon, on a réussi à tenir, mais c'est difficile. Là, on pourrait tenter de continuer contre les sites, hein, mais bon, c'est le territoire est vaste, c'est ça l'ennui, quoi. La Grèce, ça va être sûr qu'on devra la tomber. Il faudra qu'on repousse les Brutis, tout ça, les Romains. Donc là, les cités grecques, elles vont tenter de défendre comme elles peuvent. J'ai pas de flotte, hein, c'est ça le problème. Est-ce que si j'en fais une, elle va vite se faire focus et bye bye. Donc là, si je veux encore 10 territoires, il me faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 8. Peut-être battre les Daces, hein, mais bon. Ça m'enchante pas trop, hein, on va se le dire. Je vais envoyer mon diplomate, mon gars explorer un peu. Est-ce qu'il balance déjà l'eau, les Vidites? Non, ils en lancent pas, heureusement. Contre les Vidites, ouais, peuvent être casse-couilles. Donc là, en vrai, si on arrive à battre vite leur Vidites, on se met bien, quoi. Et là, derrière, on fait des troupes, donc... Je vais m'arrêter là pour cette vidéo YouTube. Bon, ça aurait pu être pire, mais je pense qu'on s'en sort plutôt de manière correcte. On verra ce que ça donne la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. YouTube, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.